Salut tout le monde, c'est Tipsyron, j'espère que vous avez la pêche comme d'habitude. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Fallout 4 et nous sommes devant l'entrée de Diamond City. Alors du coup, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, je vous propose de plutôt que de continuer la quête principale et de chercher à trouver le détective, moi je partirai plutôt sur la quête rideau qui consiste à enquêter sur l'appel radio. Vous savez qu'on a entendu en arrivant, ah bah voilà, un certain Rex qui suppliait qu'on le délivre des super mutants qu'il retient prisonnier dans une tour. Et du coup, plutôt que de rusher à la quête principale comme un porc, je préférais faire ça et commencer un peu les quêtes secondaires. Ah bah voilà. On a capté le signal radio. Ouais, c'est le même message qu'avant, quoi, en gros. Le Commonwealth est une région dangereuse. Vous avez la chance de vous trouver tout près du sommet de Trinity Tower. Oh là. Oh putain, ils sont résistants. Oula, lui, c'est un boss, lui. Oh merde! La vache, vous avez vu, il avait un petit crâne à côté de sa... Ah, oh, ta gueule, ta gueule, ta gueule. Il avait un petit crâne à côté de sa tête, c'est-à-dire que c'est un boss. Alors, on va sortir la mitraillette, on va sortir. Et on va prendre un peu de drogue, hein. Tant qu'à faire, autant se booster un peu. On va prendre deux drogues résistance au temps. Et un truc pour ralentir le temps. On va tester ça. Ah, c'est énorme. Et si je passe en SVAV, ça ralentit deux fois plus le temps du coup. Ah, c'est génial. Oh, je le mets très très cher en fait. Hein. La vache. La mitraille était vraiment forte. Hein. Hop là, level up. Ça, c'est bon ça. La mitraille coûte cher en balles, mais elle fait très très mal. Hein. Ah, il en reste. C'est bon, tous morts. Putain, il y avait un deuxième boss, je crois. Bien joué, mec, bien joué. Allez, level up. Donc c'est marrant, la drogue qui ralentit le temps, c'est plutôt stylé. Alors sur quoi on part? Armurier. Ouais, je ferais bien armurier. Quoi que c'est quoi, ça pirate. Ça peut être pas mal aussi pour terminer, pour pirater les terminaux. Les résistances de la cible sont affichées en mode SVAV. Super intéressant. Vous savez quoi? On va prendre ça. Et on prendra au prochain niveau l'armurier. Parce que je pense pas que pour l'instant on aura besoin de crafter des trucs d'armure. Pour l'instant on a plutôt besoin de ce fight. En revanche, quand on aura fini la mission et qu'on rentrera, là on aura besoin de crafter. Vous voyez la logique. J'entends des coups de feu par là. Ouais, ça tire. Qu'est-ce qui se passe? On va tenter une approche discrète pour une fois. Non, lui il a l'air gentil. Lui il a l'air gentil. Mais il se passe quoi? C'est un stand de tir ou quoi? Je comprends pas. Ah non, il se fight. C'est lui l'enculé. Voilà, on lui a réglé son compte. Ah, il y en a d'autres. Ah oui, lui c'est un enculé, lui. Mais elles sont où ses faiblesses? Ah, bah c'est ça! C'est les résistances et tout, non? Merde, j'ai pas touché la tête. Je vois pas ce que c'est les résistances. C'est niveau 2, 6 d'armure? C'est quoi? Ah merde, j'ai pas assez de PA. Merde alors. J'ai pas assez de PA pour faire un SVAV. Ah merde, mais je suis en plein milieu des méchants. Je crois que c'était des gentils, les gars derrière. Pas du tout en fait. Faut que je fasse un peu plus gaffe à moi. Putain, j'ai déjà plus beaucoup de balles. Hein. Ça part beaucoup trop vite. Et ça coûte beaucoup trop cher aussi. Pire psychopathe. Allez, te rate pas. Putain, il a tout raté. On va changer d'arme. Et on va encore prendre un peu de drogue, même si c'est risqué. Dégâts, plus 25%. On va sortir le fusil sumit. Oula! Ah bah dis donc, ça lui a fait de l'effet, hein, ce qu'il a pris, mon gars.
Ça lui a fait beaucoup d'effets. Ils sont passés où? Bah merde, ils sont où? Ah, il se cachait. Mais c'est sur moi qui tire tous ces gens parce qu'on dirait qu'ils se fightent avec d'autres personnes en même temps. Pour l'instant, je vois pas vraiment les faiblesses des gens. Il a mis les deux à côté. Attendez, sauvegarde rapide, là on risque de mourir. On va se healer un coup. Attendez, on va tenter le raccourci. Merde, pourquoi il marche pas le raccourci? Voilà, je l'ai reprogrammé. Il s'était mal mis. Alors. Ah, mais c'est là la tour où il faut aller? Ouais, je crois que c'est là. Oh merde! T'es gentil toi? Non, t'es pas du tout gentil. Ok. Oula! Oh la grenade. Pierre légendaire! Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Avec une étoile et tout? Oh, oh la vache! Putain, il fait très mal lui. Lui, il fait juste beaucoup trop mal en fait. La vache. Comment on va le gérer lui? On va changer d'arme. Avec quoi on pourrait le gérer? Ah, on va le gérer au 10 mm amélioré. Là, il va comprendre sa douleur là, le gars. Attendez, déjà, on va retourner chercher notre petit poteau. Ah, il est là. Ah, il est juste trop bien ce flingue. Et il fait juste trop mal aussi. Ouais, faut vraiment que j'ramasse les munitions sur les ennemis, hein, parce que vu le prix que ça coûte, ce serait beaucoup trop de con de gâcher tout ça. Ah, c'est lui le légendaire. Ah, j'ai pas de shoot. Ah ouais. Genre, je l'ai fait trop mal. C'est pas mal les raccourcis anti-mutants. Mm-hmm. Ok. D'autres trucs ou pas? Ouais, c'est pas ouf quoi. Qu'est-ce que je disais? Oui, c'est pas mal du tout les raccourcis. Ça rend les combats beaucoup plus dynamiques. T'es où mon gars? T'es où? Il est en haut? Voilà. J'avoue que ça peut quand même être pas mal le SVAV. Hein. J'avoue que ça peut être très intéressant. Allez, just do it. Just do it! Ah voilà, mais j'ai déjà plus de balles, ça part trop vite les balles, ça part juste trop vite quoi. Avec quoi on va se fight? Ah mais non, en fait, je suis même pas sûr que ce soit là la mission, je crois que c'est derrière la mission. Ça sert à rien que je continue à monter hein, si la mission elle est beaucoup plus loin. Donc là, si je me casse la gueule, c'est juste terminé quoi. Tour Layton. Ah, je suis pas du tout assez discret encore. Merci, mon gars, merci. Ok, ça suffit les conneries. Qui est là? Genre, vous m'avez pas encore cramé quoi, vous êtes handicapé. Ce flingue est vraiment nul par contre. Alors,
Ah, je claque un nombre dingue de Steam Pack. Ah merde, il l'a tué. Ah, je peux pas annuler mon... Ah si, je peux annuler mon cocktail Molotov. Bon, on va pas perdre plus de temps ici, hein, parce qu'apparemment notre quête c'est pas ici. Du coup, on va peut-être plutôt se barrer. Est-ce qu'on peut sortir par là ou pas? Bon, j'ai réussi. Oh merde. J'ai réussi à m'enfuir, c'était vraiment très très chaud. Il y avait au moins une cinquantaine de pillards. Et ils étaient juste tous beaucoup trop forts pour moi en fait. Du coup, c'était très chaud, mais j'ai réussi à m'enfuir. Ok, je vais mieux. Merde, j'ai pas de balles. Eh, c'est une zone qui est vraiment, genre, juste trop chaude à faire. Ok. C'est pas du tout de mon niveau, hein. C'est trop pour mon niveau, j'ai l'impression. Donc va falloir jouer très safe. Je sais même pas si s'en est tiré mon allié là, je sais pas du tout où il est passé. Oh putain, ils sont en haut les mutants. De toute façon, c'est pas celle-là la tour. Hein. On va rusher vers l'objectif parce que là, la ville elle est juste tellement dangereuse. Dès qu'on s'écarte de Diamond City. Trinity Tower, ça y est, on y est. Par où on entre? Oh merde. J'espère qu'ils m'ont pas vu. Mes oreilles me jouent encore des tours. Oh mon dieu. J'ai réussi à le rater. Putain, il a bougé juste au moment où j'ai tiré, incroyable. Merde, j'ai pas assez de PA. Oh. Bah toi, t'as pas de chance, écoute, t'es passé juste devant au mauvais moment. Putain, c'est vraiment chaud. Hein. C'est vraiment trop chaud. Et Commonwealth, c'est pas à toi du tout, tu fermes ta gueule. Merde. Ok, cette fois je l'ai eu l'enculé. Par contre j'ai déjà presque plus de balles. Bon là ça va, les super mutants ils sont déjà moins forts que les pillards je trouve. Ce qui est un peu étonnant. Ah, je sais pas du tout où il est passé contre mon allié. J'ai vraiment peur qu'il soit mort là. Ah il est là. Merde. Oh putain. Ils sont tous au courant que je suis dans le bâtiment. Bon ça va, je l'ai mis midlife. Bien joué mec. Ouais, il a mis un sale coup dans le dos là. Mais bon ça c'est un sniper, c'est pas trop censé être au corps à corps. Est-ce qu'on a pas mieux genre? On a bien voir mieux quand même. Là il y a plus de balles. Vas-y, on va tenter le fusil de chasse mais bon. Ah c'est là. L'ascenseur, let's go. Ils sont sérieux. Ouais, c'est pas fort. Cette arme est pas forte du tout. On va essayer de faire en sorte que ce soit lui qui tank. Ah non, bah non, ils m'en veulent à moi. Hein. Oh merde. Oh là là, je suis mal là. Oh, je suis tellement mal.
Oh, le petit bol de nouilles qui peut-être va nous sauver la vie. Non, pas du tout. Absolument pas, en fait. Ça nous a pas du tout sauvé la vie. Là, c'est très très chaud. Hein. Putain, on va tenter de faire cette mission, mais... Mais disons que je suis étonné par la difficulté. Hein. Avec quoi on pourrait leur casser la gueule, sérieusement? On peut tenter ça, mais... On va y aller à la grenade frag. Ah, j'en ai qu'une, malheureusement. Ok. Ça, c'est de l'efficacité, ça. Il sort d'où, l'autre? Par contre, il doit sortir de là, non? Non? Ah, putain, il est là. C'est vivant, ça? Non, c'est mort. Faudrait que je la joue à la fufu, hein, mais bon, je suis absolument pas discret. Oh là là, c'est flippant, on entend leur bruit de pas. Oh putain. Ah, c'est flippant. Putain, ils sont les enculés. Faut surtout pas que je me fasse attraper, en fait. Faut vraiment que je reste à distance. Vas-y, tue-le, 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 tue-le. Bien joué, bien joué. Le chien est mort, le chien. Allez, on avance. On sauvegarde. Just do it. La grenade, attention. Oh, le cadavre qui a giclé. Ah, nice. Je vais faire une petite collection de boules de billard. Pendant que mon poteau se fait massacrer. Alors, on va peut-être l'aider quand même. Où est-ce que t'es, bro? Où est-ce que t'es? Toi, tu t'es mangé un gros noscope. Ah, y'a quoi là? Je crois qu'il va falloir que j'utilise des drogues. Hein. Putain, il me faut vraiment des trucs contre les addictions aux drogues parce que c'est tellement pratique en fait ce genre de truc. Vu que là je galère vraiment. T'es où mon ami? Je peux pas crocheter ça. Où es-tu mon ami? Allez, on monte. Mutant de mes couilles. Merde, je suis encerclé. Ah, faut que je reprenne une drogue. Hein. Faut que je prenne de la drogue. Il y en avait une qui était hyper forte. Est-ce que j'en ai encore? Eh merde, j'en ai plus. Ok, alors on va prendre le truc résistance aux dégâts là. Allez, viens, 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 viens m'aider, viens m'aider. Oh putain, mais c'est lui qui fait juste trop mal. C'est incroyable quand il me fait mal. Tu veux pas venir m'aider toi? Ah merde, il est mort. Ah ouais, carrément. Genre, je peux le réanimer. Ouais, mais mec, déjà que j'ai plus de steampack, si je commence à te réanimer, on est dans la merde. Hein. J'ai plus du tout à avoir de quoi de me heal, hein. Mais d'où il leur tire dessus? Ah putain, il est là à l'étage. Ok, on va faire comme lui, on va essayer de les snipe. Avec quoi on peut les snipe? Ah ça c'est nul ça, ça a pas de dégâts. Vas-y, j'ai bien une arme qui a des dégâts quand même, non? Bon, j'ai vraiment pas d'arme qui a des dégâts. Hein. On va essayer de jouer au cocktail Molotov. Nice. Enculé, va. Ok, faut vraiment jouer avec les grenades. Il est toujours là, lui. Ah, mais ils font trop mal, genre, c'est pas possible.
Si seulement j'avais un petit minigun là, ça ferait tellement plaisir. Le problème, c'est vraiment le manque de munitions en fait. Genre là, je sais même pas si j'arriverai à finir la quête avant d'être à court de munitions quoi. Ah merde. Faut que j'essaye de rester discret. Ok, je crois qu'on arrive à l'objectif, il a l'air d'être juste derrière. Putain, j'aimerais vraiment leur foutre un coup critique. Genre en mode ninja. Je pense que ça fait juste beaucoup plus de dégâts. Et putain, il m'a vu. J'arrive vraiment pas à jouer Fufu, hein, c'est incroyable. Oulalalala. Oulalalala, c'est quoi son arme à lui? On va prendre le Nuka Cola Quantum. Oh là là, 400 PV. C'est le petit Nuka Cola vert qu'on avait volé au gamin, si vous vous souvenez. Qui avait l'air juste ultra fort et qui est vraiment ultra fort en fait. Viens là, sale chien. Tiens, bouffe ça. Ah, tu douilles là d'un coup, hein. Nice, il est mort. Nice, nice, nice. Ah. Mâchoire humaine, ah c'est dégueulasse. On sait jamais, il pourrait y avoir quelque chose d'utile. On va faire une sauvegarde, hein, éviter de tout se retaper au cas où on meurt. Et donc il est où notre poteau Rex? Ah, il est toujours pas là, merde. Faut prendre l'ascenseur. Putain la vache, mais comment je vais faire pour arriver au bout de cette mission quoi? C'est juste beaucoup trop chaud. Putain, c'était l'ascenseur le plus long de ma vie. Nickel, le jeu avait freeze. Pourquoi pas. De toute façon, j'avais sauvegardé. Jambière de super mutant. Et alors, est-ce que c'est fort? Comment ça, je peux pas équiper cet objet? Vous foutez de ma gueule. D'accord, donc ils ont décidé que je pouvais pas prendre m'équiper de l'objet. Ok, bah. Si vous voulez. Oh, tu faisais quoi toi? Oula. Et qu'il avait la colonne vertébrale retournée. Damn. Vas-y, sors toi, sors. Oh, ça lag, ça lag, ça lag. Oh, le massacre. Oh merde, y'en a un autre. Oh merde, merde, merde. Vous sentez comme je suis dans la merde là ou pas? Est-ce que vous vous sentez? Vite, vite, un truc, n'importe quoi. Vas-y, viens, connard. Oh, j'ai chaté. J'ai vraiment chaté. Là, j'ai un peu moins chaté du coup. Putain, c'est juste trop dur. Je peux pas le ranimer d'ici là. Oh mon dieu. Merde, ça a explosé un peu trop près. Ah merde, mais je vais bientôt plus avoir de steam pack, hein, c'est juste trop chaud. Allez vite, relève-toi mon grand. J'arrive pas à croire que ce truc était humain. Lame, planche. Oh. Pas mal leurs petites armes là. Parce que si j'ai découvert un truc, c'est que genre toutes les améliorations qu'on avait sur les armes, et ben on pouvait les revendre. Genre quand j'ai une arme, au début j'ai le viseur standard. Quand je fabrique un nouveau viseur qui est amélioré, ben je garde le viseur standard dans une boîte et je peux la revendre. Et ça c'est génial. Genre toutes les pièces on les garde dans des boîtes et on peut les revendre, etc. Et c'est plutôt stylé. Alors on a fait un peu de points en moins. On va le faire les amis, on va le faire. Juste pour vous, on va la réussir cette mission. Putain, on est cramé.
Tiens mon Preston, tiens mon. Merde. Ok, lui c'est bon. Putain, j'ai plus de balles. Ah, c'est terrible. Ok, on va tester leurs armes au corps à corps. Je pense que c'est la seule solution. Même si je préférais rester un peu loin d'eux. J'ai l'impression qu'en fait les vies, enfin les armes, elles ont plus de vie, genre elles se cassent plus au bout d'un moment. Contrairement aux anciens Fallout. Bon, il est où le petit Potorex là? C'est pas tout, mais. Mais on a quand même venu pour lui. Ah, on est sur le toit. Ah, ça y est, on arrive. On arrive à la fin de la mission, les gens, il est là. Oh putain. Oh putain. Oh, y'a le boss. Oh, y'a le boss. Viens là. Connard! Mais ouais, mais genre, il me one shot, le gars. C'est juste pas possible, quoi. C'est juste pas possible. Est-ce que j'ai la drogue qui ralentit le temps, là? Ça pourrait me sauver la vie. Ouais, je l'ai. On tente. Mais en plus, il contre mes attaques. Mais je peux faire quoi? Putain, mais il me one shot quasiment à l'auto-attaque, c'est terrible. Et lui, il sort le minigun. Allez, vas-y. Mais vas-y, mais y a pas de problème. Sors ton minigun. Amuse-toi. Putain. Ça va, par contre, il a pas tant de vie que ça. C'est juste qu'il fait des dégâts énormes. Est-ce que je vais réussir? Vas-y, allume-le, je le retiens. Merde, par contre là, s'il vient bloquer, genre, je suis tellement mort. Merde, je suis mort. Vous êtes prêts pour le rush de l'infini ou pas? Go! J'ai plus de vie. Ah, je vais mourir. Oh, je m'en suis tiré. Oh non, no way. Incroyable. Il me reste combien de Steam Pack? Il me reste 4 Steam Pack. Ah, c'est juste trop dur cette mission. C'est juste trop dur. Ok, on va tenter le fusil de chasse. T'es où, enculé? Ah, faut que je joue à la grenade, bien sûr. Faut que je joue à la grenade. Ah, vu les dégâts que tu mets, oui, j'ai un peu peur, oui. Après, regarde ton arme. Regarde ton arme et regarde la mienne, quoi. Genre, hein. Faut pas déconner, quoi. Tu vas rien faire du tout. Ah, non. Putain. Allez, viens. Oh là 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 là. Oh non, mais dis pas que je vais encore être bloqué. Ah, nice. Je peux m'enfuir à l'étage en dessous. Oula, je suis tellement en galère. Mais il a combien de munitions? Le mec a munitions illimitées. Oh là 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 là. Dites-moi que j'ai des trucs à distance. Ça. Ça m'a l'air nul, mais c'est... notre dernière chance. Y'a bien un moment où t'auras plus de balles, non? Allez, dis-moi que t'as plus de balles. Mais non, mais le rate pas! T'es nul! Ok, on lui a enlevé plus de la moitié de ses vies. Y'a plus de balles ou quoi?
Ah mon gars, il a plus de balles. De quoi les humains, c'est fini, tu vois. Ah le con, il a vraiment plus de balles. Hey mongolise, on va aller l'achever à la main. Vous savez quoi, on est un bonhomme, on va l'achever à la main. On va l'achever à la planche avec des lames. Merde, par où on monte déjà? Oula. Je crois qu'on monte par là. Ouais, c'est ça. Oh putain, je suis trop con, je vais me faire tuer. Oh putain, je suis con. Ah, je suis con, mais j'ai envie de le tenter. J'ai envie de le tenter, soyons fous, allez. Allez, juste pour vous, soyons fous, les amis. Let's go. Et il est où? Merde, il est où? Je t'ai déjà dit non. Il est là, il est là. J'espère qu'il régène pas Sifi par contre. Non. Là, il recharge là. Yeah! On l'a fait! On l'a fait, les amis. Alors là, on prend tout, là. Hein. Là, on prend absolument tout. On va jarter un peu, on a trop de poids. Bon, je laisse son minigun parce qu'il pèse juste trop lourd. Je peux pas le prendre, c'est dommage. Par contre, j'ai récupéré masse balles de minigun. Ça, c'est trop d'art. Regardez. 650 balles de minigun, ça nous met hyper bien. Ça nous met juste super bien. Et du coup, on va aller finir la mission. Hein. Alors, qui c'est le mec pour qui on a tant galéré? C'est lui. Et ouais. Ah, moi, je suis un beau gosse, tu vois. En plus, j'ai pas du tout galéré, hein, genre. C'était hyper easy. Oh merde. Comment ça, attends, what? Super mutant? C'est un piège. Ce n'est pas un piège. C'est un prisonnier, lui aussi. Comment ça? Bien sûr, il est doux comme un agneau. Un agneau légèrement psychotique et bodybuildé, d'accord. Mais il n'est pas dangereux. Oh là là. Strong, écrabouille pas toi si tu sauves Strong et Rex. Vous voyez? Bon. On n'a pas fait tout ça pour rien quand même. Pourquoi est-ce qu'il est en cage d'ailleurs? Qu'est-ce qu'il fait dans une cage, ce super mutant? Il a défié son chef en prenant ma défense. J'ai donné un nouveau sens à sa vie, voyez-vous? Je suis venu ici pour donner un peu de culture à ces pauvres créatures ignorantes. J'ai commencé par Macbeth. Je crois qu'ils ont tous trouvé ça très drôle. Tous sauf Strong. Strong apprend secret de pouvoir humain avec Macbeth. Lait de tendresse humaine. D'accord. Strong va trouver lait. Tu quel air plus. Strong va gagner pouvoir secret des humains. D'accord. Mais oui, c'est ça. Quand ils ont jugé qu'ils s'étaient suffisamment moqués de moi, ils m'ont jeté là-dedans. Ah les bâtards. Ce qui est vrai, c'est qu'il y avait une radio dans cette cage. Ils savent, c'est à pas pour attirer autres humains. Tu n'aurais pas pu me le dire plus tôt? Strong pensait que tu savais. Oh merde. Vous voyez un peu ce que je dois endurer ici? J'ai promis à Strong que je l'aiderais à trouver le lait de la tendresse humaine si on sortait d'ici vivant. J'espère que je vais pas me faire piéger. En tout cas, elle est plutôt Strong. Hein. Énorme. Bah, imbécile, hein, déjà de base. C'est un piège. Peut-être, mais c'est mon seul espoir. Ouais. Ouais, donc en gros, tu sacrifies des centaines de personnes juste pour toi, quoi. Et ça te dérange absolument pas. Poisson de pierre, jambe droite de pierre, établi d'armes. Établi d'armes, on va améliorer nos armes rapidement. Hop là. Ça, c'est déjà fait. La mitraillette, qu'est-ce qu'on peut améliorer? On peut lui mettre un viseur. On va le faire même si c'est pas... C'est pas ce qu'il y a de plus ouf.
Le minigun. Rien à faire. Voilà, c'est celui-là, il me semble, qui nous a sauvé la vie, là. Avec lequel on a buté tous les monstres. Ah, mais putain, il n'y a aucune amélioration à faire. Dommage, bon bah, j'ai pas assez de compétences ou pas assez de matériaux pour l'instant. J'ai regardé rapidement l'armure que je viens de choper. Ah ouais, elle est balèze. Tu m'expliques pourquoi? J'ai pas les aptitudes ou quoi? Parce que là, elle est trop dard l'armure, pourquoi je peux pas la mettre? Ça me fait chier ça. Il y en a un ascenseur pour descendre. On va juste admirer un coup la vue. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Je me demande ce qu'il y a. Ah, aussi je me demande ce qu'il y a. Ah, ça doit être Diamond City. Ça doit être Diamond City vu de loin. Bon, allez, on va les libérer. Oh putain. Putain les enculés. J'aurais dû m'y attendre. Ouais vas-y, aide-moi. Ah putain, c'était bien un piège. Putain, faut pas que je fonde et que je tire sur le gentil, ce serait un peu con. Et heureusement que j'ai repris des balles de minigun. Là, il y en a encore. Et ouais, tu vas faire quoi? C'est bon, je crois qu'ils sont tous morts. Oh, tu t'es fait baiser. Ah, tu t'es fait baiser. Il est flippant. Il peut arrêter de me regarder comme ça, ton pote. Oh putain. Oh, attends, je vais vous laisser un petit souvenir. Ah merde, il faut... Ah merde, faut que je les tue. Oh merde. Là, c'est chaud avec mes vies. Mais tu m'expliques pour qu'il s'arrête l'ascenseur, genre? Il veut vraiment que je crève ou quoi? Ah putain, là aussi il doit y en avoir. Ah, c'est pas terminé encore, hein. Putain, merde, il en reste plein. Allez vite, venez m'aider! Help, help! Putain, et l'autre con, il est resté en haut de la tour. Bah oui, bah viens le faire le combat, on t'attend. Hein. Qu'est-ce que je ferais sans le minigun hein. Allez, casse-lui la gueule. Ouais, bien joué. Bien joué. Oui, tu es strong, d'accord, on a compris. Allez, next ascenseur. Non, si c'est comme ça, je vous attends pas. Hein. Si vous venez pas, je vous attends pas. Hein. Allez, je me tire de là. Ah, ok, il se téléporte dedans. Tant mieux. Qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce qu'il fout de paumer là-bas, ces deux-là? Oula, merde. En tout cas, elle est plutôt stylée cette mission, hein, quand même. Plutôt dure, mais plutôt stylée. Ah putain, ça va encore s'arrêter. Merde, il est où, elle? Allez, vite, j'ai plus beaucoup de balles, vite. C'est bon, on est arrivé.
OMG, est-ce qu'on est arrivé? Quoi? J'entends quelque chose. Pas de bagarre aujourd'hui. Il doit y en avoir encore. Ninja. Là, on est en mode ninja. C'est quoi ça? On a réussi. On a réussi. Rex. Merci de nous avoir sauvés. On a réussi. Dire que c'était moi une. Ouais, c'est clair que là. Argent. Est-ce que ça mérite une récompense? Argent. Ah, le mercenaire. Personnage incontournable de toute tragédie. Bah, vu la thune que j'ai claquée en munitions pour te sauver, écoute, je pense que tu peux me donner un peu. Extrêmement reconnaissant. Mais bah, il y a intérêt. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je pense qu'il est grand temps que je quitte définitivement cet endroit maudit. Ouais, casse-toi bien loin. VRVR pour reprendre ma carrière à la radio. Je m'en bats les couilles. Qu'est-ce que tu m'as donné? Ah, succès. Level up. Et apparemment, Strong peut maintenant devenir mon follower. Alors ça, par contre, c'est juste génial. Costume de Reginald. Sérieusement? Really, nigga? C'est une blague. C'est une blague. Le mec m'a donné... ça? Attendez, non mais lisez les stats. Lisez juste les stats. Merde, non, c'est pas ça que je voulais faire. Elles ont disparu les stats. Zéro, juste zéro. En plus, c'est le costume, genre c'est le truc complet. C'est-à-dire que c'est à la fois les bras, les deux jambes et le torse. Et ça fait zéro d'armure, zéro de résistance aux radiations. Je m'attendais à une armure badass ou je sais pas. Le mec me donne ça. Non mais j'y crois pas. Je vais le tuer. Bon, après, valeur 250, mais 250, c'est rien, quoi. Tu le revends, quoi. Tu le revends en 180. Putain, on va aller le chercher, le mec, là. Il est passé où, l'enculé? T'es passé où, mon gars? Il est là. Toi, tu vas pas t'en tirer comme ça, fils de pute. Enculé! Tiens! T'as que ce que tu mérites! Et voilà, c'est là-dessus qu'on va terminer notre playthrough, et non pas notre épisode. Et oui, c'était le dernier épisode, parce que je pense vous avoir montré à peu près assez de trucs sur le jeu. C'était quand même une découverte, donc je pense qu'on a bien découvert le jeu et qu'on a fait à peu près le tour des aspects principaux du jeu, etc. En tout cas, j'espère vraiment que ça vous a plu. Je vous remercie encore une fois de... de m'avoir d'avoir suivi ce playthrough. Ça m'a fait très plaisir, et donc pourquoi pas refaire peut-être une autre vidéo sur Fallout dans assez longtemps, quand j'aurai bien évolué. En tout cas, là je vais saigner le jeu, mais genre royalement, hein, je vous le dis. De quoi, c'est quoi ça? Non mais retourne pas. Oh, il y a du monde en haut. Non, tu vas où? Bref, c'était Tips Iron. J'espère que ce playthrough vous a plu. Je vous remercie encore une fois d'avoir suivi. Gardez tous la pêche et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde. Peace.